Salut à tous, c'est Adrien D. Alors aujourd'hui, mercredi 1er février 2017, je vais quand même parler d'un truc parce que vous voyez cet email, on l'a reçu au travail. Je travaille dans l'informatique dans le milieu extra-hospitalier et du coup je voudrais vraiment attirer l'attention de certaines personnes, pas forcément des gens qui travaillent dans les milieux extra-hospitaliers, mais surtout dans comment? Pour tout le monde en fait. Je fais cette vidéo pour sensibiliser tous ceux qui me suivent, même si en principe ceux qui me suivent, en fait, ils savent déjà cela. Donc voilà, on a reçu ce courrier électronique, donc j'ai bien évidemment masqué les informations. Je me le suis transféré à la maison pour étudier un petit peu ça et vous faire la vidéo parce que le cas me semblait très intéressant. Surtout qu'en plus, nous, on travaille dans les milieux extra-hospitaliers, donc on est un peu concerné, mais parce que ça parle de Amélie, hein, qui Amélie, c'est le portail de l'assurance maladie. Mais ça peut vous arriver à vous en tant que particulier. Et quand on voit le mail ici, donc cher client, après les derniers calculs, votre assurance maladie, nous avons déterminé que vous êtes admissible à recevoir un remboursement d'un montant de 116 euros. Donc c'est pour ça que nous, ça a paru louche, la personne qui a reçu ce message et qui m'a immédiatement prévenu. Bon, nous, en tant que professionnels de santé, on n'est pas spécialement concernés parce que même si c'est l'assurance maladie, bon, on n'a pas forcément de remboursement qui sont comme ça par mail. Mais c'est arrivé. Et donc ça peut vous arriver à vous. Et donc la lettre dit, nous vous invitons à consulter les démarches à suivre en cliquant ici. Et donc si on regarde ici, là, voilà, hop, je mets en surévidence, mais ça va apparaître là. Quand je mets mon curseur, voilà, vous voyez le site, c'est http grandrapidsweb.com slash wp-red. Et donc si je clique dessus, donc rassurez-vous, je le fais, mais... Voilà, hop. Donc on arrive sur un site. Hop, contrôle Alt F11, voilà, pour faire disparaître tout ça. Donc on arrive sur un site normalement, voilà, qui est reconnu dans la plupart des navigateurs web comme étant trompeur. Mais donc ce Firefox c'est exactement pareil. Par contre, ceux qui sont assez maniaques de la sécurité et de la vie privée. Et qui vont désactiver ici la protection anti-phishing malware de Google. Donc là, j'enlève pour faire le test et que je rafraîchis la page. Vous voyez, on arrive bim direct dessus. Bon. Donc, au travail, je me suis méfié évidemment. J'ai ouvert ça dans une machine virtuelle, isolée du réseau local, hein, juste avec une patte sur Internet, avec mon abonnement 4G, pour voir un petit peu. Qu'est-ce qui se ressemblait? Quels étaient les risques? Parce que c'est vrai que sous Windows, on peut avoir un ransomware ou des choses comme ça. Bon, là, il s'avère qu'il n'y a pas de ransomware. J'ai eu du mal à accéder au site web quand même, parce que même notre antivirus, mon PC au travail, c'est Windows, mais on a un antivirus dessus. Et la machine virtuelle VirtualBox, qui était dedans, mais pourtant qui avait sa connexion Internet séparée du réseau local, l'antivirus a quand même détecté une URL malveillante, bien que je sois dans la machine virtuelle. L'antivirus de l'hôte, hein. En me disant URL malveillante. Bon, je reviens au sujet. Donc on arrive ici sur un faux site de l'assurance maladie. Vous voyez ici, si on regarde ici, on est sur http://grandrapidsweb.com et ça fait une redirection à la con. Donc je vais en profiter pour activer un VPN. Histoire que quand je. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Histoire que quand je soumets le formulaire. Bon, on voit pas mon adresse IP. Donc ici, on est bien sur un site pas sécurisé. Hein. Donc déjà, ça peut. Ah, mince. Ça peut alarmer sur l'entourloupe. Bon. Mais le site, il est assez bien foutu parce qu'on voit. C'est vraiment amélie.fr. Hein. Si on va sur. Là, hop, le contenu. Donc voilà, vous voyez, tous les liens, ils sont erronés. Et donc, si on va sur la amélie.fr, vous voyez, c'est le même site, hein, il a à peu près la même apparence. Vous voyez, le nom de l'onglet, amélie.fr, c'est marqué, même si on n'est pas sur le site amélie.fr. Compte assuré, saisie de la demande. Et la petite dame, là, c'est Madame Amélie, justement.
qu'on retrouve quelque part sur le site. Donc, sur le site officiel, on retrouve cet avatar. Je pense qu'on va le retrouver dans là où on demande de l'aide, peut-être. Qui sommes-nous? Non. Là, quand on va là, non. Ouais, si on essaie de se connecter, voilà, en tant qu'assuré. Voilà, on a Madame Amélie. Donc, vous voyez, c'est exactement le même avatar. Donc, c'est très, très trompeur. Bon. Alors, on se dit, finalement, notre remboursement de 116 euros, on le veut. Bon, alors, mettez votre nom. Je mets n'importe quoi. Mettez votre prénom. Bon. On est content. Hein. On va se faire rembourser de 116 euros. Donc, on met notre date de naissance, peu importe. Faut mettre son adresse mail. Bon, hein, c'est l'adresse mail qu'on aurait pu utiliser sur le compte Amélie. Donc on met quelque chose. On met son mot de passe. On met quelque chose. J'en profite pour grossir et vous allez voir le truc. On met son adresse. 30 rue, machin. Donc, au passage, on prend nos infos personnelles. Ville. Code postal. Numéro de téléphone. Bon. On soumet le formulaire. Mais. Erreur JavaScript. Veuillez entrer votre code postal. Alors bon, là finalement c'est pas bon ce qu'on a mis. Donc on va mettre des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. On continue. Ah, le numéro de téléphone, faut le rentrer. Alors faut mettre des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chiffres pour le téléphone. Ça passe. Bon, super. Au passage, le pirate nous a volé déjà notre adresse postale. Pourquoi pas? Bon, je sais pas ce qu'on peut faire avec ça, mais bon, il a notre nom au moins. Il a notre adresse mail. Il a notre mot de passe. Bon, déjà, première tentative. Deuxième tentative, toujours sur la même page qui n'est pas sécurisée. Vous voyez ici. Wow. Deuxième tentative de vol, votre banque. Bah oui, parce que forcément, si on a gagné 116 euros, s'il faut qu'on se fasse rembourser, il faut sélectionner votre banque. Alors, déjà, ce qui est hallucinant, c'est que si on a un remboursement, Amélie, ils sont quand même intelligents pour nous rembourser. Ils ont notre IB, hein, donc ils sont. Et on rembourse normalement comme ça. Mais bon, disons qu'on se fait vraiment piéger. Bon, alors là, on sélectionne notre banque. Donc là, je prends une au pif. Numéro de carte de crédit. Donc, les trucs. Oh, la date d'expiration, sinon c'est pas drôle. Code de sécurité. Et numéro du compte. Bon, là, comme d'habitude, le formulaire est plutôt bien foutu. Le numéro de carte de crédit est incorrect. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il y a 16 chiffres dans une carte de crédit. Donc là, le code de sécurité, hein, le truc, il est bien foutu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, par exemple. Tiens. Donc, solution numéro 2. On nous pirate notre carte bancaire, hein, puisque là, on prend le numéro de la banque. On sait du coup la date d'expiration, le code de sécurité, le numéro de compte. Donc si on veut faire un achat sur internet, et ben maintenant on a les coordonnées bancaires de quelqu'un d'autre. Bon, ça c'est pas cool, mais c'est volé quand même. On fait continuer. Et donc là, étape 3, donc on nous dit, alors c'est ça qui est génial, alors j'arrête la redirection. Donc vous remarquez d'ailleurs qu'il n'y a pas de faute hein, dans les phrases. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est que c'est plutôt bien foutu. Et donc là. On a enregistrement de votre demande. Alors, regardez bien. Votre demande a bien été enregistrée. Toutes les informations ont été envoyées sous forme cryptée. Lol. Sans HTTPS, on est crypté. Bon, c'est pas bien grave, mais ça rassure. Ça a été envoyé de manière cryptée, donc c'est pas nous. Hein, à notre serveur sécurisé. Mon œil, oui. Mon œil. À très bientôt. Et donc là, la subtilité du truc, c'est qu'on va faire terminer. Et là, on est sur grandrapidesweb.com. On fait ça, et hop, on est redirigé sur le vrai site Amélie. Donc là, c'est là la subtilité, c'est qu'on est redirigé vraiment sur le vrai site Amélie.fr. Et là, par contre, c'est le vrai site Amélie.fr. Sauf qu'on vient de se faire voler toutes nos coordonnées bancaires et notre compte, puisqu'on a rentré tout ça. Sachant que c'est quand même bon de noter que l'assurance maladie, si on a un remboursement, on ne précise même pas son numéro de sécu dans le formulaire qu'on a envoyé. Bon. Donc, voilà. Mais ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est qu'en fait, on n'est pas à l'abri de se faire voler son mot de passe, même si le formulaire semble être super réel. Mais il faut jamais se laisser tromper. Quand on va sur un site, il faut regarder la présence du cadenas vert.
comme quoi on est sur un site sécurisé. Même si maintenant on peut se faire des certificats gratuitement avec Let's Encrypt. Bon, au moins déjà, si on n'est pas sur un site sécurisé, si on n'a pas le cadenas, ça peut déjà prêter à confusion. Et puis deuxième chose, il faut regarder l'adresse sur laquelle on est. Et effectivement, si on n'est pas sur amélie.fr, là, ça peut poser problème. Il faut déjà vérifier, voilà, si vous allez sur votre banque, vous êtes bien sur l'adresse de la banque. Troisième chose, même si certaines personnes qui sont réfractaires aux politiques Google, machin, truc bidule, qu'il faut désactiver tout ce qui est Google et compagnie, là, on a vu que la protection phishing et malware de Google, si on l'active quand même, on a l'avertissement qu'on a dans notre navigateur internet, donc c'est assez intéressant quand même. Sachant que je tiens à noter que l'email qu'on a reçu, honnêtement, il n'est pas frauduleux en lui-même dans le contenu. Il n'y a qu'un lien vers un site externe qui est malveillant, et du coup, l'email est passé avec succès dans l'antivirus. Hein. L'antivirus, il a dit clean hein, sur l'email. Lui, il l'a vu clean parce qu'effectivement, il n'y avait pas de pièce jointe, il n'y avait pas de pièce jointe malicieuse ou de choses comme ça, mais il y avait un lien vers un site web malicieux. Et donc, l'antivirus ne l'a pas vu. Donc, finalement, antivirus ou pas sous Windows, il faut quand même rester vigilant sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on clique. Et surtout, ça c'est important, c'est-à-dire que le phishing atteint tout le monde. C'est-à-dire que là, même sous Linux, bon, on n'a pas de virus, mais on peut quand même se faire voler ses données, puisque là, c'est complètement. Ça n'a rien à voir avec le système d'exploitation, puisque c'est un site web frauduleux. Voilà, donc on se fait avoir. Je dirais même peut-être que sous Windows, on pourrait être potentiellement plus sécurisé parce que certains antivirus pourront détecter éventuellement l'adresse URL malveillante en plus du navigateur web, alors que sous Linux, eh ben, on ne peut faire confiance qu'au navigateur web et sa protection anti-phishing. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu sensibilisé, vous, et n'hésitez pas à sensibiliser votre entourage à ces petites astuces, le cadenas, l'adresse URL, hein, si on n'est pas sur amélie.fr quand on demande des informations de l'assurance maladie, et eh ben voilà, si on n'est pas sur son site de la banque pour des infos bancaires, voilà. Très grande prudence. Mais voilà, je profitais d'avoir reçu cet email-là au travail je me suis dit, tiens, ça va me faire une bonne idée de vidéo à faire ce soir, à vous présenter. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!